Bon, c'est quoi le programme aujourd'hui? Chasse aux vampires. T'es encore en retard. Et tu sais pourquoi? À cause du travail. Mon boulot, c'est pas les piscines. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Dommage! Toute ma vie, je me suis battu pour préserver le syndicat des cow-boys comme vous. Est-ce que vous le laisseriez revenir? J'ai vraiment changé, sans blague. J'ai même arrêté le porc et les dessins animés, et j'ai bien réduit les femmes blanches. Une dernière chance. Mais j'ajoute qu'il sera accompagné par un agent syndical sur le terrain. Donc tu peux être réglo cette fois? Y'a qu'eux qui peuvent allonger ce genre de thunes pour mes dents, mec. A priori, ce serait presque un ancien. Vous me payez le tarif. Désolé, l'article 107 du code dispose de façon claire que tout sujet de... Ah, ça va, c'est bon. Vous avez rencontré notre agent? Je suis pas fait pour le terrain. Je viens de m'acheter une chaise ergonomique avec mon argent perso. Mon truc, c'est la compta. Tu vas être mes yeux et mes oreilles. Tu seras mon acolyte, tu vois. Et à la minute où il part en vrille, à la minute où il en fera la procédure, tu seras là pour le constater et me faire un rapport. C'est ces enfoirés de frères Nazarians. Oh, c'est des super chasseurs. Oh, envoie une balle! T'as bien tué un vampire lundi, non? C'était la fille d'Audrey. Tu sais comment ça va se terminer, non? À toi de me le dire. Tu as tué ma fille unique, Jablonski! Je compte bien te rendre la politesse. Le cow-boy noir. File-moi le fusil! Mais je suis qu'un observateur! La prochaine fois que je te demande le fusil, tu me files le fusil, compris? À terre! Quoi? J'ai dit à terre! Des vampires viennent d'essayer de me tuer, vous me pointez avec une arme sous le nez, et en plus j'ai pissé dans mon plus beau pantalon. Mais t'inquiète, tout le monde se pisse dessus la première fois, c'est normal. C'est vrai. Ouais, je te le dis. Aussi, alors. Non, moi non.